pour ce nouveau vlog. Donc c'est le vlog numéro 3 de la série vlog Akassi. Donc voilà, donc je vais vous dire qu'il est arrivé. Ah non, il est exactement midi 12. Donc il est déjà assez tard, donc pourquoi je vlog aussi tard? Bah en fait parce qu'on n'a rien fait de la matinée quoi. Genre à part me préparer, c'est tout ce que j'ai fait. Et manger, enfin voilà, donc j'ai vraiment rien fait d'exceptionnel. Enfin voilà. Donc là, on va sûrement aller partir faire des courses bientôt. Ensuite, bah, on mangera, enfin normal. Ensuite, il y a ma tata qui nous rejoint donc à 16h à la plage. Voilà. Parce qu'elle aussi, en fait, elle est descendue d'Alsace parce qu'elle était en vacances à la mer. Du coup, comme on est juste, elle est juste à 1 heure de nous, du coup, on va la voir aujourd'hui. Parce que sinon, on la voit pas souvent, du coup, comme elle est loin de chez moi. Du coup, voilà, de toute façon, comme je vous ai dit, je la reverrai en Alsace parce que je vais du coup une semaine chez elle. En Alsace, donc que je voudrais aussi, donc toutes ces vacances là. Donc voilà, donc du coup on ira tous à la plage et ce soir il y a une soirée DJ, ou alors une petite discothèque je pense, ou un truc comme ça. Du coup avec ma demi-sœur on aimerait bien y aller. Du coup on va voir si on ira, enfin comme ça bien. Enfin voilà, un petit peu le planning de la journée quoi. Bref, donc je vous retrouve tout à l'heure, bisous. Donc je suis en train de planifier ma vidéo What is my phone. Il y avait quelqu'un qui me l'avait demandé, du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous la faire. Donc du coup je la planifie pour mercredi à 13h. Voilà voilà. Mais pour tout vous dire, c'est pas une vidéo que je suis vraiment très fière. Donc je suis désolée si la vidéo n'est pas super bien. La vidéo d'après, elle sera vraiment super bien. Enfin franchement j'ai vraiment mis tout mon cœur. Donc ce sera ma vidéo spéciale voyage qui va sortir après celle-là. Donc du coup pour mon What is my phone, je suis pas super fière en fait de ma vidéo. J'aime bien aimer ma vidéo, me dire quand je la poste ils vont l'aimer. Là en fait je pense que le truc qui me stresse vraiment, c'est pas qu'elle est mal faite, c'est ce qui me stresse c'est qu'il n'y a pas l'intro comme je vous avais dit. Et je pense que c'est à cause de ça que ça me stresse. Du coup ça fait bizarre. Et je suis vraiment désolée s'il n'y a pas d'intro en fait. Je pense que c'est pour ça que je l'aime pas trop, donc je suis encore désolée s'il n'y a pas d'intro donc sur cette vidéo, enfin moi ça me stresse un petit peu. Mais bon je vous la mets quand même parce qu'on m'avait demandé et que j'aurais pas le temps forcément de la refilmer, enfin voilà. Et mais sinon voilà, donc je suis désolée, enfin si la vidéo n'est pas super top, mais franchement je trouve que vraiment le truc qui est très gênant c'est parce qu'il n'y a pas l'intro et ça m'énerve, ça me stresse en fait. Mais bon c'est pas grave, donc du coup vous aurez cette vidéo mercredi. Du coup c'est parti, on va partir faire des courses, let's go. Regardez, j'ai mon petit bracelet ananas, je l'aime trop ce bracelet. Pyjama dans une boutique à côté du casino, sauf qu'en fait je crois qu'elle se fermait, enfin on croit qu'elle se fermait, on n'en trouve pas. Voilà voilà, il faudra qu'on vous raconte un truc avec du Coca-Cola, c'est un truc de malade. Bref, on vous racontera ça arrive à la maison, ça va être marrant, y'a rien. Du coup bah, on retourne au casino. Non viens, on va voir là-bas. Bon du coup on va voir de l'autre côté, voilà. Bon du coup on a absolument rien trouvé comme boutique, en fait y'a rien, c'est un peu mal. Du coup on retourne au casino, on retrouve nos parents. Voilà. Avec ma demi-sœur du coup on est reparti. Voilà. On fait que de partir et rentrer. Et donc du coup là on est parti donc pour rentrer à la maison, mais on va faire les boutiques du coup parce qu'elle est toujours en recherche de pyjama. Parce que comme une merde, elle a oublié son pyjama. C'est toi. Voilà. Du coup faut qu'elle s'en achète un. De toute façon j'en avais plus alors. Ouais voilà, donc, au moins ça tombe bien. Et du coup on repart chez nous, du coup à pied cette fois-ci, parce qu'on a fait l'aller en retour. En voiture, en retour, j'avais comme de la merde. Bref, non, parce qu'on a fait l'aller en voiture, du coup on fait le retour à pied, parce que c'est pas loin. Et du coup voilà, du coup on va être en recherche de petites boutiques. Et SOS pyjama.
pas trop de pyjama. Du coup, ouais, bah, du coup là on va rentrer. En fait là on est dans des boutiques comme vous avez pu voir, je vous ai filmé quelques petits passages. Mais genre c'est un peu genre que des boutiques souvenirs avec des tongs, des maillots de bain, mais il n'y a pas une boutique avec des habits. En plus ils étaient beaux, il n'y avait pas de pyjama. Voilà, c'est dommage. Mais bon c'est la vie, donc du coup on va rentrer. Bisous. Voilà, nous sommes arrivés à la maison. Ouf, cette grande escarpade. On a bien marché. Oh, j'en peux plus. Ils sont pas rentrés les parents, ils sont juste éloignés. Ok, bon bah les autres sont pas rentrés. Du coup, il y a que ma soeur, ma demi-soeur et moi. Voilà. Du coup, je vous avais expliqué que vous expliquerez avec ma demi-soeur le truc avec le Coca-Cola. En fait, à la base, on était partis pour... on se baladait dans le casino tranquille. Et après, ça y est, on a vu des canettes de Coca-Cola avec Griezmann. Non mais, en fait, si vous voulez, c'est que ma demi-soeur, maintenant, depuis qu'il y a l'Euro, ça y est, elle commence à être fan de foot, ça y est. Enfin, surtout des joueurs, parce qu'elle est toujours hyper bonne. Et genre, elle avait déjà une canette d'un joueur, mais c'était pas celui... elle le connaissait pas, elle l'aimait pas, enfin bref, voilà. Et genre, elle voulait une canette de Griezmann, et là, quand elle a trouvé une, du coup, genre, c'était sa vie, voilà. C'était tellement fun. Et donc, du coup, elle avait pris sa petite canette de Griezmann, voilà. Petite canette de Griezmann. Bref, du coup, maintenant, elle est trop contente de l'avoir. Et sauf que du coup, après, en fait, au final, je me suis trouvé une bouteille comme ça, aussi, Euro 2016. Et je l'ai trouvée trop belle. Moi, c'est pour une déco, enfin, je vais la boire et après, je vais la mettre en déco. Voilà, donc elle trouve trop belle, du coup moi j'ai pris ça et puis elle a pris la petite canette Griezmann, voilà, parce qu'elle le trouve trop beau. Bref, voilà, donc petite nouvelle, Coca-Cola. Donc là j'étais en train de monter ma vidéo spéciale voyage, donc j'ai commencé, c'est un boulot de dingue cette vidéo. Purée, ça tue de malade, comment ça va être difficile de la monter, mais c'est pas grave, on y croit. Et donc du coup là on va manger, enfin. Je sais que vous avez dit que moi j'ai tout le temps faim, donc là je meurs de faim encore une fois. Mais bon, c'est comme ça. Donc on va manger du melon et on va manger, je pense, des pâtes. Voilà. En plus, moi qui adore les pâtes, c'est genre les pâtes, c'est ma vie. J'adore manger ça, je sais pas comment. Mais j'adore les pâtes. C'est comme ça. Donc, c'est parti. On a fini de manger et là, donc, je pense qu'on va se préparer pour aller à la playa. Voilà. Oh putain, j'ai failli me casser la gueule, voilà. Et donc du coup, on se prépare pour aller à la playa. Alors, on est prêt pour aller à la playa. Donc moi, je suis emparée au maillot de bain, quoi. On attend, j'ai plus qu'à attendre ma tata, du coup, et mon tonton, pour qu'on part à la plage. Donc on attend qu'ils arrivent, parce qu'ils ont quand même une heure de trajet pour venir nous voir, enfin voilà. Donc voilà, et je voulais aussi vous... Ah non, mais là, il y a trop le dilemme, c'est trop du malade, puisque... je sais pas si vous savez, genre, enfin... À l'heure que je poste ce vlog, ce sera, enfin, de toute façon je posterai ce vlog cette nuit, mais bon voilà, du coup c'est ce soir. Il y a Kylie, elle lance sa nouvelle collection anniversaire, Kylie Jenner. Et en fait le truc c'est qu'avec ma demi-sœur, on veut absolument s'acheter un rouge à lèvres de cette collection. Elle sort à minuit. Sauf que vous savez très bien qu'au bout d'une minute, tout sera liquidé, il n'y aura plus rien, du coup il faut que... faut qu'à minuit pile on clique, enfin faut vraiment qu'on fasse tout vite fait, enfin vraiment un truc de fou pour avoir un rouge à lèvres Kylie comme ça. Mais en plus le packaging c'est magnifique, enfin, cette collection est juste magnifique. Bref, et du coup il faut absolument qu'on soit pile poil à l'heure. Le problème c'est que ce soir il y a aussi la soirée DJ qu'on voulait faire, voilà. Du coup nous ne savons pas quoi faire entre rouge à lèvres et soirée DJ. Bref, donc il faudra voir. Déjà il faudrait savoir où est-ce que ça se passe, la soirée DJ, à quelle heure ça se termine, enfin vraiment un petit peu de tout. Mais du coup voilà, parce qu'on aimerait trop avoir un de ces rouges à lèvres, ils sont trop beaux, oh my god. Du coup on aimerait trop commander vite fait. Bref, donc voilà, donc c'est un petit peu le dilemme, enfin après. Pour l'instant on attend un petit peu, donc ma tata, mon tonton et tout, et après on ira à la plage. Ils sont arrivés, on s'en va à la plage. Donc on est arrivé à la plage. Mais par contre, on est neuf. Entre ma mère, mon beau-père, ma tata, mon tonton, mes demi-sœurs, ma soeur et moi, on est neuf. Donc je peux vous dire que ça fait vraiment beaucoup. Donc pour trouver une place à la plage, ça va être difficile. Allez se baigner.
petit moment que j'ai pas vlogué. Donc on s'est bien baigné pendant un petit moment quand même. Je pense que je vais peut-être aller retourner me baigner tout à l'heure, je sais pas. En tout cas, on va prendre des petits goûters. Ça, ils sont à la serviette. Voilà. C'est un peu spécial. Donc, magnifique goûter. Je pense que je vais aller retourner me baigner. Ouais, voilà. Je vais mouiller. J'ai pris ma douche, j'ai fait mon shampoing, donc là j'attends que mes cheveux sèchent intégralement. Voilà, voilà. Du coup, bah, je me suis démaquillée. Mais du coup, je vais sûrement me remaquiller ce soir. Enfin, on va vraiment essayer avec Annelle d'aller à la soirée DJ. Voilà, ça va être trop cool. Enfin, on pense que ça va être cool. Du coup, on aimerait bien y aller. Et surtout, à minuit, faut qu'on soit sur ordinateur pour commander les cahiers. Franchement, j'espère vraiment qu'on pourra les avoir. Parce que là, si je l'avais pas, je serais trop dégoûtée. Et j'ai trop envie de l'avoir. En plus, la couleur, c'est une sorte de rouge bordeaux magnifique. J'ai trop trop envie de l'avoir. Ça trouve malade. Il est genre trop beau. Et voilà, en plus, c'est une collection illimitée. Son problème, c'est que ça va se liquider en 1 minute chrono. C'est toujours comme ça. Et surtout que là, donc c'est une édition limitée encore plus. Donc en 1 minute chrono, ça va être liquidé. Du coup, j'espère vraiment que je vais être assez rapide. Il faut absolument qu'on soit rapide un max. Parce que sinon, ça va pas trop le faire. Mais voilà. Du coup là je pense que je vais monter le vlog que vous êtes en train de regarder, enfin pour m'avancer pour ce soir. Et voilà. Et aussi du coup ma vidéo What on my phone est mise en ligne. Enfin elle est mise en ligne. Je l'ai planifiée pour mercredi. Mais enfin au moins c'est fait, comme ça mercredi à 13h vous avez donc une nouvelle vidéo. Voilà, bisous. Un petit moment que j'ai pas trop vlogué, donc quand j'ai peur je me suis un peu maquillée les yeux, enfin voilà, enfin je me suis remaquillée et j'ai pas encore fait les lèvres, mais bon je vais le faire tout à l'heure parce qu'on va sûrement aller donc du coup à la soirée DJ avec ma demi-sœur, peut-être avec ma soeur, enfin je sais pas si elle veut vraiment venir. Donc du coup entre temps ce qui s'est passé, du coup on a fait un repas de famille, donc j'ai mis la tata à mon tonton et tout qui était venu. Du coup il manque plus que le dessert, donc voilà, donc bon voilà, j'ai rien fait de spécial, toujours sur l'ordi comme d'hab, et puis après j'ai mangé, on a mangé voilà, et du coup on va manger le dessert et après on ira à la soirée DJ et surtout à minuit. On vient ici pour commander les Kylie direct. Et après, peut-être que après qu'on aura fini de commander les Kylie, peut-être qu'on retournera à la petite fiesta. Enfin, voilà la petite update de ce qui s'est passé entre temps. Je vous fais des bisous. On s'en va à la fiesta. Donc, du coup, je me suis mis un petit rouge à lèvres. Voilà, voilà. Et j'ai pris beaucoup de pièces. Et du coup, ça y est, on s'en va à la petite fiesta, à la soirée DJ. Donc, c'est parti. J'ai pris des boules. J'ai pris les enceintes en pleine gueule, je vous... Ah non mais je vous jure c'est horrible, j'entends plus rien là, c'est plus possible. Oh my god, c'était hyper fort, c'est un truc de malade, mais bon c'est pas grave, c'était bien. Et du coup bah, je faisais vlogger un petit peu au début, puis après je pouvais plus vlogger. Après j'étais en première ligne, bah, en fait ils donnaient des cadeaux, genre c'était des mignons peluches ou des t-shirts, voilà. Ma demi-sœur elle a réussi à avoir un t-shirt. Étant en deuxième ligne, elle a réussi à avoir un t-shirt, mais j'étais en première ligne, j'ai même pas réussi à avoir un seul truc, voilà. Mais bon c'est pas grave, mais sinon c'était sympa, enfin peut-être qu'on y retournera. Non, ça y est. Donc là, il est 23h40, 23h50. 23h42, très précisément. Non, parce que du coup, là, on rentre pour commander les Kylie.
J'ai failli me faire écraser, non quand même pas. Mais j'étais au milieu de la route, la voiture elle avance n'importe quoi. Mais du coup là on part vite pour chercher les cahiers. Comme je vous ai dit, il y a qu'une minute et tout. Surtout que c'est une collection. Enfin voilà quoi, c'est un peu une super collection. Du coup, on se dépêche pour être l'ordi. Voilà, comme ça pour les commander. Voilà, voilà. Mais du coup, c'est pas mal. Enfin, on essayera d'y retourner. Voilà, donc du coup, il y a ma soeur qui est restée parce qu'elle s'en fiche un peu du maquillage. Donc voilà, elle tombe les couilles. Mais voilà, ma soeur et moi, on les veut absolument. Du coup, on est parti les chercher. Donc voilà. Pas dit qu'on les ait. Alors on était à la seconde près, à la minute près pour les commander les Kylie et regarder le message. En fait il y a beaucoup trop de demandes pour le rouge à lèvres, c'est un truc de malade comme c'est la nouvelle collection. Il y a beaucoup trop de demandes, donc il est déjà minuit 5, ça sortait à minuit, c'est un truc de malade. Mais genre du coup ça bouline, on en a mis deux dans le panier. Du coup j'espère qu'on réussira à les avoir, c'est un truc juste de malade quoi. Le serveur il n'arrive pas à capter toutes les demandes que tous les gens demandent, genre c'est un truc de fou. Du coup on espère qu'on va les avoir, souhaitez-moi bonne chance. Donc, alors, on n'a pas réussi à avoir les Kylie cosmétiques qu'on voulait de base. Enfin, parce qu'en fait, on l'avait dans le panier, mais c'était trop surchargé. Mais du coup, on a pris les Poppins Gloss, comme ça, de chez Kylie. Donc, du coup, voilà. Du coup, on a pris ça. C'est des petits gloss. Fin... Et donc, du coup, voilà. Donc, du coup, bah, je suis contente. Parce que là, ça va être mes premiers Kylie cosmétiques. Du coup, je suis trop, trop contente. Mais du coup, on aura un petit gloss trop chou, bro. Parce que, du coup, on n'avait pas pu réussir du coup, à avoir ce qu'on voulait. Mais c'est pas grave, parce que le gloss, il est quand même trop, trop beau. Donc du coup je voulais vous raconter un peu notre mésaventure avec Kylie Cosmetics. Enfin du coup je vous ai pris une petite prise comme ça. Il y a ma mère qui rigole à côté, c'est pas possible, bref. Et donc du coup on a réussi à en avoir un, donc de la collection anniversaire. Bon pas celui qu'on voulait, parce que nous on voulait le sort de rouge bordeaux trop magnifique de la collection d'anniversaire. Enfin franchement on l'avait dans le panier, on en avait mis deux dans le panier. Je vous jure qu'on les avait dans le panier, c'est un truc de malade. Genre mais c'est parti à une vitesse mais phénoménale. C'est pas possible, genre on y était genre... On était déjà 5 minutes en avance, on faisait que de rafraîchir la page et tout, de l'actualiser. Après, on a vite descendu, bref, on l'a pris d'assaut, mais on a vraiment tout fait pour l'avoir, c'est un truc de mal. Genre, ça s'est peut-être joué à une seconde près, même pas, c'est pas possible. Et bref, et sauf qu'après, je vous ai montré qu'il y avait le message et tout, du coup, on a attendu pendant peut-être 10 minutes, un peu plus. Et après, ils nous disent qu'après, ils étaient sold out. J'étais trop dégoûtée. Du coup, au final, on a pris le gloss. Bon, je suis quand même contente, c'est la première fois que je vais avoir du cake. Je suis trop contente. Enfin voilà, mais en plus le gloss il a l'air trop trop beau. Voilà. Donc du coup on a quand même réussi à avoir le gloss, c'est déjà bien. Donc voilà notre petite mésaventure. En tout cas je suis quand même trop contente d'avoir du Kylie Cosmetics. Ah je suis trop heureuse là. Voilà. Bref, donc je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est toute la collection de Kylie anniversaire. Et comme vous pouvez voir, tout est sold out. Mais genre c'est un truc de malade. Genre en très peu de temps, donc heureusement. Donc nous on a réussi à avoir le petit gloss ici. Donc c'est déjà ça, c'est déjà mieux que rien, et nous sommes heureuses. En fait, de base, on voulait avoir celui-ci. Et en fait, on l'avait dans le panier et tout, mais après, il y a eu un bug du système, parce qu'il y avait trop de gens qui le voulaient et tout. Je radote, ok. Bref, et du coup, après, il restait plus que celui-là qui était non out of stock, du coup, on l'a pris. Et maintenant, il est sold out aussi. Et voilà, on est trop contents de l'avoir. Je vais en profiter, du coup, pour clôturer le vlog ici, parce qu'il est maintenant minuit 43. Voilà quand même. Et du coup je vais clôturer le vlog ici. Bah du coup franchement c'était une trop bonne soirée. Entre la petite soirée DJ, tout machin, un petit peu d'ambiance, plus les Kylie, franchement je suis contente de ma petite soirée qui était vraiment cool. Donc bah voilà, enfin je vais clôturer le vlog ici. Donc j'espère que votre journée s'est bien passée à vous. Voilà. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans un prochain vlog. Bye.